l'histoire démarre, ils sont quatre. Quatre adultes qui ont fait le choix de vivre ensemble. En fait, à l'origine, Lucas et Virgile, qui sont des copains de lycée, vivaient en colocation à Paris. Et cette colocation qu'ils ont poursuivie un certain temps, arrivés à l'âge adulte, bien que leur trajectoire soit diamétralement opposée, ils ont eu envie de poursuivre cette espèce d'atmosphère formidable qu'il y a dans une colocation. On est ensemble, on partage tout. Et ils l'ont fait non pas sur une location dans un petit appartement à Paris, mais cette fois-ci ils le font sur un gros chalet à la montagne et dont ils sont copropriétaires. Et ça c'est très différent, parce qu'une copropriété, c'est pas une location. Et que quand on est arrivé à l'âge adulte, quand on a des enfants, quand on a des conjoints, c'est plus du tout la même atmosphère. Et ça, ils vont s'en apercevoir petit à petit. Alors en fait, au début, tout se passe très bien, puisqu'il y a deux couples. L'un des deux couples est marié, a deux petites filles, c'est formidable. L'autre couple, ils vivent ensemble, ils sont pas mariés, ils sont juste concubins. Ce vilain mot, mais c'est celui-là, ils vivent ensemble. Et puis ce couple-là, il va pas très bien. Et au bout d'un moment, il commence à dérailler et se séparer. Ce qui veut dire que ce jour-là, ils ne sont plus quatre adultes, ils sont trois. Il y a deux hommes, il y a une femme. Ça change la donne. C'est plus du tout la même chose. La femme qui se trouve au milieu, bon, ben oui, pour son mari, oui, mais pour le copain de son mari, faire la cuisine, s'occuper de l'intendance, enfin, ça a tout déséquilibré. Et ils vont s'apercevoir que ce n'est pas si simple que ça, une colocation. Comme en plus, il y a l'ex-conjoint de cette femme qui revient, qui veut remettre la main sur elle, qui est très inquiétant, on sent que c'est un type dangereux, c'est vraiment un pervers narcissique, il peut mettre tout le monde en péril. Tout d'un coup, ils se disent, on n'a peut-être pas fait le bon choix, et peut-être qu'il ne faut pas vivre ensemble, et peut-être qu'il faut le vendre, ce chalet. Et là, ça va être un crève-cœur, parce que le chalet, c'est un vrai personnage du roman.